Tiens, pour réparer les pots qui sont tombés. Ouais, les amis, franchement, je serais vous, je sub quand même, quoi. Soyez sympas, les amis. Je me sens tout émoustillé à cause de ce tremblement de terre. Peut-être que vous me reverrez jamais. Visiblement, Nantes, hein? Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ce genre de contenu, bah voilà, quoi. Vous en avez jamais vu ailleurs? T'es mute. Ah merde. Remember it. Précédemment dans la Salty Academy. Attendez les gars. Il y a un tremblement de terre chez moi. What the fuck? 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 Oh, j'arrive. J'arrête. Deux secondes. Salut. Salut, ça va? Bonjour. Salut. T'as survécu? Ça va? Tranquille. Ça va? Merde! Ça tremble! Putain, merde! Oh le con! What the hell? Hey. What the fuck? Les gars, ma cam, ça bouge! Ça bouge! Les gars! Ah, ça vous fait marrer, ça, bande de fils de putain! L'autre en train de bouffer, quoi! En train de bouffer, boire, bouffer! Allez, bon courage, vous allez vous faire niquer! Allez. Thank you! Oh, je te fais ces décales, mon pote. Magnifique. Moi, je me suis bien habitué à mes touches aussi, c'est là. Mieux. Le mur, là, putain, vous avez pas renfoué le bon mur, là, pour le rouge. Là, putain, c'est lui qui a fait cette connerie, là. Ah, c'est qui a fait cette connerie. Ah oui, j'ai pas fait le bon mur. C'est qui qui défend le garage, là? La hache garage. Ils vont se faire enculer. Ça va être compliqué. What the fuck, Zago? Ah. Y'a personne qu'à toi, le cas. J'y vais. Oh non. J'ai été droné. Je suis droné. Qu'est-ce qu'il fait, Baggy? Oh la vache. Ah putain, ils ont de la brava. Ah. Oh la la. Ça va, Baggy? C'est dur, hein. Ouais, y'en a qu'un qui est bon, quoi. T'as ouvert T1. Pas fait exprès. Oh putain. Y'en a, rouge. Mort. Baggy, c'est quoi ça? T'as bien joué, Baggy. Ils ont pris le 4 walk. C'est rentré T1, c'est rentré T1. C'est rentré. Baggy, vise. Bon, vous faites quoi, les débiles, là? Ici, mais je vais. Arrêtez, on joue. Non, bon, allez, stop, là. C'est quoi, là? Vous jouez quoi? On joue à. Oui, d'accord, ok. Vous jouez à la manette, quoi. Ok. Nano, il nous avait demandé. Parce que voilà, ça y est. Allez, c'est bon. Vous avez fait un round. Maintenant, vous arrêtez. Bravo. Vous êtes des vrais créateurs de contenu, dites donc. Vous pouvez être fiers de vous. Pas de Bungie, les gars. Un Bungie. Bravo. Eh, Baggy, incroyable kill, hein. Vraiment. Meilleur que d'habitude, hein. Garde la manette peut-être, Baggy, hein. Qui non, va gagner pas rentré, en français, les amis? Il y a un espace avant les points et points d'interrogation. Vous me cassez les couilles de l'écrire à l'anglaise. Fnet Workshop, là. Mais putain, vas-y, je suis vraiment nul. C'est rentré Nano, un rouge, les gars. Nano, s'il te plaît, stop avec la manette. Stop. Je suis pas à la manette, enculé. Tiens, c'est rentré, tiens. Ça rentre serveur, défaut. Je suis pas à la manette. Dommage. Arrête, ça a assez duré. Je suis pas à la manette. Ça a assez duré, c'est bon, on a compris. Elle est là, ma manette, putain. Personne vas-y. N'aurait pu faire une décale comme ça, clavier. Il y a personne qui roam, du coup. Si. C'est les cuisines. Porte-main aussi, porte-main. Devant toi, le guise, ouais, à droite. Bien joué. Il est content. GG. Ah, t'as droné, non, c'est le sense. Main. Qu'est-ce qu'il fait, Nan? Qu'est-ce qu'il fait? Tous ces placements. Oh putain, c'est rentré de church! Croquette. C'est rentré de church, on lui a dit. Oh là là, la chatte. Il y a un moto, mec qui plante juste putain, devant. Putain, fais chier! Moto, les gars. Ouais. Dans le coin à droite, derrière le bar. Ouais, t'as dans la plante défaut. Aussi. Il le fait à l'eau. La gauche. Oh oui, voilà, finis-le. Rouge. Putain. Cache. Oh là là, Nano en clutch. S'il met le clutch, je me coupe la bite.
Non. Dommage. Je vais pas trembler. Ah ouais, il est de Baizou. Hein. Mais quel branleur, lui, dis donc. Pas déconner. C'est pas Baizou, c'est Baizo. vous vous concentrez un peu là. Eh Nano, tu t'es pas entraîné sur tes mécaniques, tu pues du cul. Depuis mercredi, ça a changé, ça a pas changé. En même temps, j'ai pas joué depuis mercredi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je fais des millions. Des millions, Saint-Émilion. Des millions. Il est temps que tu abandonnes ta femme et tes enfants et que tu essaies de level ouais, up. Je sais, en vrai, pourquoi pas, hein, mais je suis pas sûr qu'elle soit très contente. Mais on s'en fout, il y a un moment, faut penser à soi. Il y a Alro avec ses potes de la SPA qui la récupéreront, écoute. Voilà, je connais une bonne autoroute. Alro, donne-nous les meilleures autoroutes pour l'abandon. Hein. Tu peux nous les donner ou pas? Un top 10. Fais-nous un top 10. Hey, les meilleures autoroutes. À quel T1? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il vient de se faire naître par en dessous, du coup, hop, il rajoute... Ils sont sur le balcon, hein. Ou sur le toit, là. Il va... En dessous. Ça ouvre le T2? Rien que dans son gameplay et dans ses mouvements... Ça drone en bas, ça drone dans le long. Bien, vous êtes d'accord? On sent bien que tous les fils sont pas connectés, quoi. On dirait Mary. On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Ils ont pris le garage, hein. Et je m'en vais du rouge, hein. Je prends la... J'ai son flash. Oh, je vais mettre ça avant que le Ace pète, du coup. Ça essaye d'ouvrir la constru, hein. Enfin, ça a ouvert la constru. Ça a ouvert. Bah ouais. Il a mis le Azami. Le Ace a pété. Il est con comme une bite. C'est pas du bureau. Bien joué. What? 1v1. Tu sais où elle est, du coup? Elle est constru, je crois, non? Ouais, tu l'as vu. Elle est midlife, hein. Mais un Azami. Balance-lui ton impact. Bien joué, yes. Ça a GG. Un monstre. Eh oui, c'est un monstre. Vas-y, elles sont mes mécaniques, là. Ça se voit que t'as travaillé tes mécaniques. On en parle du clutch, là? Hein? Hein, petit ton? On en parle ou pas? Hein, Nano, il clutchera jamais de sa vie. Merde, machin, nanana. Re... Voilà. Putain, quel enculé. Allez, ils peuvent le faire. 2v2. Bah parfait ça. Il est sur cette côte. Eh, c'est beau ça. Oh, il a vu les côtes. Reconcentre-toi. 30 secondes, 2v1. Je drone. Attends, calme, stop. Il est 7, C3 les gars. Je drone. Touché. L'autre il rigole parce qu'il pense que C3 c'est pas un vrai call et que c'est une blague. Si, non, on sait que c'est un vrai call. Alors pourquoi tu regardes pas C3, fils de pute? Coin urette. Non, barre. T'as des nades en plus. T'as des nades. Mais pourquoi? Ah ouais, j'ai clé comme ça. Allez, faut me couvrir. Non. Calme Nano. Allongé. Bien joué, Nano. Comment il a acheté ces nades? Mais je savais pas où les mettre, c'est bon, m'avait stressé. Nano, arrête Rainbow Six. Ah, je t'en supplie, désinstalle ce jeu. Zago, c'est quoi ce call urètre? C'est à côté de pénis. C'est ça. Donc on était pas loin du point G aussi, quoi, c'est ça. Ouais, il m'a fumé avec le jeté de grenade. À des endroits qui ne servent à rien en plus. Mais ils m'ont stressé, ok? Oui, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? J'étais stressé, putain, moi il est saoulé là. T'es sûr que c'est nous qui te saoulons ou c'est les 4 grammes que t'as dans chaque bras depuis tout à l'heure là? Il a 2 grammes, stressé, mais oui, il est encore bourré. Faites gaffe, il y a une solice les gars, perdez pas ça de temps. Ça doit être sa 6ème bière là, il a le rhum à droite. Il y a Warden aussi, hein. Il est dans le dining. Ils ont mis un shield de cigare et tout. Mais putain, ça me saoule. Ouais, mais là j'ai fait n'importe. Je vais faire de la chasse au terreau, moi. Dommage, Zago, avec du skill, ça passait. Ouais, bon, prochaine fois je suis. C'était qui l'autre? Clément le Pélican encore. Couloir rouge, couloir rouge encore. Au niveau du diffuseur. Pièce cheminée. Ping 5. Attends, Accroupi. Dans la Landry. Landry. Tu l'as pas c'est eu, elle sort. C'est parti. Blanc, elle est blanc. Je sais pas si elle est remontée en haut ou en bas. Tu avais là, et là aussi, fais gaffe. Elle est soit pièce cheminée, soit train, soit mine. Je vous mets un drone. Je vous mets un drone blanc. Ouais, balance le drone comme c'est grenades. Oh là là, les dégâts. Les il est du père, il se prend les murs et tout. Encore le maestro closette.
Le maestro closet, le guise. Non, putain, elle m'a sorti. Elle a. Pourquoi tu es passé par en bas, Baggy, toi? Ouais. Pourquoi tu es passé couloir rouge? Je sais pas, j'ai mal joué. L'autre là, Clément, il sait trop de choses quoi. Qu'est-ce que t'as envie de dire là, Baggy? Rien. Une mauvaise foi. Pourquoi les trucs en. Pourquoi là, tu fais pas des trous au-dessus, en haut? Zago quand même. Ça vient me push pour un pute, je crois. Mets-toi derrière ton shield au pire. Aïe, arrête de vouloir brûler les gens là. Pique pas, Nano, pique pas, ça sert à rien. Je pique pas là, hein. Okay. C'est moi qui pique. Ah, bien joué ça. Cigare ou piano? Les piano. Il meurt sur un capcan. Bien joué. J'avais peur. Sachez que votre joie de vivre me donne envie de rejouer à Rainbow Six de longues heures après les parties que vous me présentez. Vous transpirez la sympathie, la joie de vivre et le bonheur sur ce jeu. Vous donnez envie à 424 personnes. Hein, on se fait ouvrir le fion. Ah, c'est bon. Je crois que ça nous fait plaisir. Et en ce moment, du coup, moins 10% avec le code 64 sur le Xanax. Oh là 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 là. Et oubliez pas d'en prendre un après une petite secousse. Baggy, arrête tes conneries s'il te plaît, merde. Va sur site. Mais il spawn kill avec Azami shotgun là. Rappelle tête à l'envers devant la porte. Ouais, mais toi t'es tout seul frérot, hein, le guise, hein. Non, il est pas seul. Bah, il aurait fallu du Azami. Ça me pique boudoir, hein, ça va au peine. Ouais. Azami aide le guise. J'ai le boudoir, j'ai le boudoir. Il est où lui? Mets lui des shields. Regarde derrière toi. Tu peux pas passer par là, là t'as plus le droit de passer par là, voilà. Et filmer un coup de moins, jouer à deux. Ouais, le tas de chair il vient me pique. Ah, dommage. À la porte les gars, vous l'avez pas? Il est dedans, hein. Non, il est ressorti. Trop tard, t'as plus droit de te donner, t'as perdu ton duel, Baggy. Barre-toi. Tu joues c'est le duel, tu le tentes. Je l'entends pas courir. C'est pas grave Blitz, ça. Blitz sur Dining. Une fois que tu l'as perdu ton duel, tu dois reculer. Tu vois ce que je veux dire? Et tu balances des amis dans sa gueule. C'est comme une ligne de front, Rainbow Six. Arrêtez d'être greedy. Bien fait, Zago. Sur site. Parlez-vous. Les cams. T'as plus d'infos. Il a la ligne boudoir. Occupe-toi de l'autre ligne. Pour le blitz. Ok, bien joué. Il est en train de planter, hein. Je suis low, hein. Je suis très low. Ok, donc t'as fait tomber le diffuse, donc tu te caches. 2v2. On n'a pas de cam utile pour vous, les gars. Voilà, Nano. Cacher, ça veut dire pas bouger, bordel. Écoute. Escar Royal. Ouais, ouais. Non, elle me l'a mise, Escar Royal. Écoute. Non, mais. Go! Plante, à droite, à droite. Tout de suite à droite là. Bah mais voilà, mais non, tu vois, c'est pas dur. Au lieu d'aller roamer, d'aller chercher les kills comme un putain de clébard, joue avec une balle quoi. C'est ça le problème de Rainbow Six. C'est qu'on a envie de faire mumuse. Et on voit une balle et on est là. Et on veut faire des spawn kills et on veut faire des trucs. Alors qu'au final, là, c'était hyper bien joué. En revanche, le premier info que tu dois donner, c'est t'as fait tomber le planteur, frérot. T'as pas fait tomber Blitz, t'as fait tomber le planteur. Et si t'as fait tomber le planteur, tu sais où est le diffuse. Et donc, du coup, la partie, elle change. Ils doivent venir récupérer un diffuse. Donc, dans ce cas-là, on se couche. Et comme t'en t'es 1v1, Nano, tu te couches, t'écoutes. Et tu les laisses venir vers toi. Tant qu'ils plantent pas, t'as pas besoin d'y aller. En avant. Ils vont devoir sortir de leur cigare à un moment. Et il faut absolument Azami. Et quand on prend Azami, elle se joue d'une seule façon. Dans le piano, avec des Azami préplacés, Baggy. C'est là que tu vas rester, ici, là où t'es. Voilà. Amaru, y'a Amaru. Donc gars. Tu mets Amaru. Des Azami pour counter tout ce qui pourrait tirer dessus, là. À la spawn côté par, de notre côté. Voilà, Baggy. Et le but du jeu, c'est que tu fais perdre du temps. Ça a pété la trappe d'Anon, je crois déjà. Stop, Baggy. Non, ça veut pas dire que tu prennes de ligne. Tant qu'il rentre pas, t'es bien. C'est dès que tu tombes. Drone, voilà, nice. Drone sur cigare. Ça fait la fenêtre piano.
Il y a une green lock dans le rouge. Bah Guy, tu prends une ligne. J'étais drone et blanc. Non, si, si. Ça, c'est ah, une ligne. J'ai pas vu. Oh putain. Ah ouais, il est là le truc. Autrement, c'est bien joué. Ça a ouvert, ah, ça a ouvert le cigare. C'est pas grave. Cigare. C'est déjà jump sur le site. C'est sur le site. Sur cocktail. Il plante des faux, je pense. À ta gauche, Alro. Oui, des faux. Ah putain. Dommage. Ouais, GG. Si on prend la Zami dans le piano, on prend pas de ligne, etc. Et c'est ouf, hein, parce que je vous dis, prenez pas de ligne. Vous prenez une ligne. Je vous dis, restez sur le site. Et vraiment, je suis désolé, mais on dirait vraiment un clébard à qui on dit, pas bouger, quoi. Et vous sortez du site. Et vous allez chercher des trucs. D'abord, il faut verrouiller le site, etc., machin. Et puis après, on parlera de défendre à certains endroits, et pourquoi pas, quoi. C'est tout. Mais la plupart du temps, là, en défense, c'est juste des setups, quoi. Des façons de défendre. Là, on pourrait très bien se concentrer en se disant, ouais, c'est parce qu'ils ont planté, etc., machin, truc bidule. Non, le château de cartes, il s'effondre quand Baggy meurt. Le piano tombe, alors le cigare tombe, alors on vient de perdre déjà deux endroits qui sont hyper importants. Ça, c'est passé pour l'attaque. Des meilleures façons à l'heure actuelle de les empêcher de rentrer à cet endroit-là, c'est de faire du piano une place forte, comme on le fait avec une Azami. Tant qu'ils rentrent pas dans le piano, ils feront rien. Et tu peux pas en sachant que t'as une Azami qui t'attend avec un shotgun, dès que tu vas rentrer en rappel, elle va te défoncer la rondelle. Ok, vous en avez rien à branler. Putain, tu vas pas me dire que t'étais pas là. Non, tu vas pas me dire ça, c'est pas vrai. Mais non, il était au chiottes. Non, vas-y, nique-toi, c'est sérieux. Mec, je tremble avec ce clutch. Et toi, tu me dis que t'étais pas là. Nano, il a une vraie addiction au pari. Moi, je pense. Faut que tu mettes les deux qui vont faire les salty duels en face à face là pour voir. C'est qui contre qui? Nano contre le Guise là. Ah, je demande à voir ça. Qui gagne? Je sais pas qui gagne entre vous deux, honnêtement. Je mets 50 balles sur la table. Oh, le Guise, il a confiance. Et attention, Nano. Attends, le Guise. Attends, mais là, ça me fait plaisir. Parce que normalement, l'autre Nano, il donne de l'argent juste pour donner de l'argent. Là, tu serais prêt à mettre 50 balles sur la table? Ouais, que tu le défonces. Ouais. Ah, mais tu les as au moins. Bah oui. Bah, non. Bah oui. Il a un OnlyFans. Regarde le t-shirt derrière. C'est vrai, j'avoue.